Bonsoir à tous. Les titres de ce lundi 27 mars, les saisies de drogue continuent. Cette fois, plus de 307 000 roupies de drogue ont été saisies ce lundi chez un habitant de Sainte-Croix. De la drogue synthétique et de l'héroïne ont été retrouvées. Du côté du port, la douane aurait des soupçons que d'autres conteneurs contiennent de la drogue. Roshi Badin s'en prend à Pravin Jugnauth. Selon l'ancien ministre de la Bonne Gouvernance, Sohanirut Jugnauth voulait qu'il soit ministre des Finances et avait même donné des instructions pour un remaniement ministériel après le départ de Vishnu Lakshminarayalu des Finances. Toutefois, selon Roshi Badin, Pravin Jugnauth s'était opposé à cette décision, allégation qu'a réfutée Sage samedi dernier. Sport à présent, la Manche s'annonce difficile pour Maurice. Si l'équipe mauricienne veut obtenir sa qualification, elle devra battre les Comores 3-0 demain soir lors du match retour des préliminaires de la CAN. Cette remontée est nécessaire, surtout après la défaite de Maurice face aux Comores pour le match aller vendredi dernier. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur l'express.me.